Pascal. Pascal. À partir du 7 August. Oh. OK? J'ai pensé, puis là, plus ça allait, moi, là, je me disais, ça n'a pas d'allure. On est à côté de Tian Shan, on reste dans Caracol, oui. On les voit loin, oui. Faut s'organiser. Oui. Tu sais, puis là, c'est plus ce matin, ça m'a trotté. Le chauffeur de taxi, je me dis s'il parle anglais, mais il parle pas beaucoup anglais, mais il est super gentil. Il est disponible à toutes nos suggestions. Oui, oui, oui. Puis il conduit, il est à son affaire. Oui, oui, il conduisait vite là, sur la route pour nous emmener ici, puis ici, il a ralenti. Oui, c'est parce que, il a ralenti. Oui, il est à son affaire. Oui, on est dans un paysage bucolique en plus. On est dans les Monts Célestes. Comme je te disais, les Monts Célestes, c'est le titre de Lee Mayard, un de ses bouquins. Là, ah. C'est une traduction littérale de comment les Chinois l'appelaient ici. Parce que les Chinois sont venus beaucoup. Le nom des montagnes, Tian Shan, c'est ça le nom des montagnes, puis c'est les Monts Célestes. Puis moi, ben, j'ai lu plusieurs livres d'elle. D'ailleurs, on va avoir le temps d'aller au musée à fin d'après-midi. Oui, ça va être puis, bon. C'est ça va être intéressant, ça aussi. En coupant... Ça va compléter notre visite, puis oui. notre sensation d'être sur les lieux, puis de le voir après. Oui, sur oui, l'histoire, oui. Quand, oui. quand elle a écrit ses voyages. Tu sais. Ah oui, c'est fantastique de voir ça. Là, je suis là, là, ne peut pas être mieux. Là. Gargarine qui est là, on va le filmer, Gargarine. Je trouve que c'est trop raide pour une première fois. Là. Tu montes et ça descend, tu sais. Hey, c'est haut, on voit même pas les sommets encore. Les nuages sont en bas, c'est ça.
Il y a du monde qui vit ici là, tout le temps. Oh. Bonjour. Alors, où dites-tu Canada? Oui. Canada. Yeah. No. Go 10 On était toujours à Caracol, on était au terminus, là, terminus sud, pour aller à Bunco Bayevo. On est arrivé ici ce matin, il était à 7h15. Parce que le Roumain nous avait dit, ben, il m'avait dit, bon, c'était à 7h30. Lui, son information, c'était à 7h30 le premier bus. Fait que quand on est arrivé ici, c'est, là, on s'est informé, puis là, on me dit, non, c'est à 8h. Là, 8h, elle arrivait, puis je trouvais qu'il n'y avait pas un chat. Là, j'étais voir le monsieur au taxi, puis là, il nous a dit, ouais, c'est à 9h. Je pense que je vais arrêter de me renseigner. ça repousse d'une heure à chaque personne. Finalement, le boss, c'est celui-là de 9h qui était le bon. On a des cellulaires avec Google Maps. Hein, on inscrit le nom de l'hôtel avec son adresse, la ville, pouf. Puis on suit comme des aveugles là, les indications. Voilà, c'est notre hôtel. On a des poires, de l'auberge où on est. Ça. Regardez ça. Ça. C'est une chambre en demi-sous-sol. Ah, c'est pas mal. Il y a trois lits. Terminus de bus est juste ici. Et puis plus loin, dans cet édifice-là, le CBT. Complètement à droite, là. Le CBT. On est venu hier pour avoir un taxi avec un chauffeur, là, pour aller voir à Scarza. Dans le canyon. Puis on vient pour l'information pour les autobus pour la prochaine destination. Good morning. Good morning. I need. Can I help you? Yes. Tomorrow morning, we want to go there. Balcher? Yeah. From Bacomoyo to Balcher, yes. Yeah, because we go there the same day.
Do you know the... Where is the bus station? The bus station, the... What? L'ancien système d'irrigation, ce qu'on voit ici. Little Louise! Я за закрою. Здравствуйте. Понимаете, да? Здравствуйте, Деган. Луис, Луис. Откуда приехали? 1 километр, Луис. Окей, это хорошо, Деган. Вы знаете, окей, это мой отец имя. А так, окей, это хорошо. Так, да? Окей. Садитесь. Il me parle plus tard, de toute façon. Nada. Ah bah. Kirgiski, nada, wuchit, nada. Kirgiski. Ça va nous rendre presque ce qu'on voulait aller ici. On a difficile à manœuvrer pour ça. Oui, on est mieux de s'écarter. C'est bon, ça. Le nouveau système pour l'irrigation, là. On voit bien les deux valves, là, les gars. Le même, le tuyau principal, le plus gros, là, comme 6 pouces. Et les 4 pouces, ici, là. Ça, c'est tout avec des pompes. Louise, a son système pour avoir d'ampoule, elle, quand, après un certain temps, là, elle change les boîtes de pied. Elle dit comme ça, Compostelle, là, là, c'est comme 1400 km, là, elle n'a jamais eu d'ampoule. C'est une championne, Louise. Oh! Canada. Thank you.
où on est arrivé dans le canyon de Charca. Et nous, de Caracol, on a été jusqu'à Bocande Viejo. Et puis, on était au BCT. Puis, pour avoir un chauffeur, nous amener, parce que pas vraiment de transport. Oui, il y avait peut-être un transport en commun, mais on a préféré ça. C'est là, pour 2000 cents, là, ça valait la peine. Ah, ça n'a pas l'air facile. À la misère, moi, je n'aurais pas été capable. Ah ouais, elle est bonne. Ah bon, Louise, c'est. Étais-tu, Louise? Ah, du cœur au ventre. Voici des parois super le fun. Puis en haut, ça va sûrement être bien beau à filmer. Point de vue là. Ouais, fait que j'ai réussi à grimper. Puis vraiment, ça vaut la peine. Et tes premières impressions, là? Bien, premièrement, ça mérite la montée. Oui, hein? Puis c'est laborieux parce que c'est du sable puis des petites roches, ça glisse tout le temps. Oui, oui. Fait qu'il faut s'agripper complètement puis regarder où sont les pieds. Oui, oui. Fait que c'était une belle petite expérience. Oui, bien, vu d'en bas, vu d'en bas, tout ce que t'as grimpé, là, ça avait l'air comme lavé, là, tu sais. Oui. Donc, tes souliers n'ont pas de grippe. Il n'y a pas de grippe. Fait que ça glisse tout le temps. Fait qu'il faut tellement... Il faut faire beaucoup de repérage pour où tu mets le pied, mais il faut que tu te garantisses du deuxième pied. Oui, oui, oui. Puis quand tu as une caméra, bien, tu ne veux pas les gratigner non plus. Ben oui. Fait que donc, tu fais ce que tu veux, puis tu y vas comme une tortue. Ton point de vue, comment il était en haut? Ah, magnifique. Magnifique. Ah, vraiment, ça, c'est vrai, tu vas avoir des belles images. Ouais. Comment tu trouves ça ici, Louise? Ben, je trouve ça intéressant. J'aime la promenade qu'on fait, là. Les sentiers, la roche, le granulé des roches. Allez, on avance dans le sentier. Ah ouais, ah ouais, le canyon Charca, là, ça vaut la peine. T'sais. Ça fait 1h10 là, qu'on est dedans. Et puis... On est émerveillés, c'est, on peut dire le mot, là. Face à toute la splendeur, la nature. Bon. Ici, regarde devant toi, là, Louise, toutes les couleurs. Regarde, ça, c'est incroyable.
les pierres, les couleurs, tout, tout est fantastique, ça. Il est 10h30 là, le matin, puis les minivans avec leurs 20 passagers, là, ça commence à arriver. Puis nous, ben, on commence à songer de partir.